Il y a plusieurs axes. Le premier axe, c'est d'abord de restaurer le port, de restaurer physiquement le port. Ce port a 25 ans, donc il a besoin de restauration. Il n'y a pas eu de travaux de fait sur les bâtiments, sur les infrastructures. Ça, c'est le premier axe, c'est la première urgence. Ça représente déjà plus de 10 millions d'euros. Ensuite, le deuxième axe, c'est de donner la possibilité aux acteurs du port, c'est-à-dire les pêcheurs, les métiers et les marailleurs, de développer leurs services, de développer leur activité. Et pour ça, naturellement, il faut adapter le port. Ce port qui a été conçu il y a 25 ans n'est pas adapté pour les métiers qui n'ont pas des quais adaptés pour leur déchargement. Les pêcheurs ont besoin de services d'accompagnement, que ce soit en gestion ou sur le plan pratique, sur le plan technique, avec des quais adaptés. Et puis les marailleurs ont besoin d'espace pour développer leurs activités. Et puis naturellement, le troisième axe, c'est les nouvelles activités. Les nouvelles activités, par exemple, les méthaniculteurs produisent des moules qui ne sont pas vendables, mais qui sont utilisables. Donc c'est développer, c'est utiliser ces petites moules pour faire de la protéine, pour faire des produits utilisables dans l'alimentation, que ce soit l'alimentation animale ou l'alimentation humaine. Et donc voilà ces services, ces nouvelles activités qu'on doit développer. Il ne faut pas rêver, on ne développera pas aujourd'hui un port de pêche sur la quantité de poissons pêchés, dans la mesure où la pêche est bloquée. On va dire que le gâteau il est déjà partagé, et puis on ne va pas se rentrer en guerre avec les sables de l'Olonne ou avec la cotinière pour aller piquer des bateaux. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il s'agit d'améliorer le service, d'améliorer la prestation et de développer des nouvelles activités connexes à la pêche. Alors, vous me parlez justement de peut-être développer les activités pour les pêcheurs, sans augmenter les capacités de pêche. Ce n'est pas le but. Le but, c'est si on peut faire venir quelques bateaux supplémentaires, c'est sûr, mais on ne va pas passer de 2000 à 4000 tonnes. Il ne faut pas rêver, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, c'est pas l'objectif, c'est d'améliorer la capacité d'accueil. Et puis d'autre part, il y a les pêcheurs qui... Il y a les bateaux qui viennent en criée, il y a ceux qui ne viennent pas en criée, mais qui débarquent malgré tout. C'est ce qu'on appelle l'activité de service. C'est donc proposer des services à la pêche, de manière à ce que ce port, qui est quand même très bien placé, qui a un accès très facile, qui est un port de pleine mer, donc que ce port puisse accueillir de plus en plus de bateaux qui viendront. Utiliser les services du port, c'est aussi une activité importante. Et puis dernier axe de la stratégie, c'est de s'adapter au contexte réglementaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que la pêche a vécu sur un contexte réglementaire qui est européen, mais l'Europe bouge et il ne vous a pas échappé que le Brexit, pour nous, est une véritable question et que la pêche, l'organisation de la pêche risque d'être très fortement remise en cause par ce Brexit. Donc, une grosse préoccupation, c'est aussi de s'adapter à la nouvelle situation que va créer le Brexit.